Savoie Mont Blanc, tout un art de vivre. Savoie Mont Blanc. Poussons la lourde porte des servages d'Armel au carreau d'arrache pour découvrir à quoi tient la popularité d'Armel, la propriétaire. Une sportive chaleureuse, au parcours atypique, une belle rencontre. J'ai passé toute ma jeunesse dans un petit village à Vieux-en-Sala et ensuite j'ai atterri au carreau après avoir passé quelques années dans le milieu du ski. Donc je suis restée 4 ans en équipe de France de ski. Après mes 4 ans passés en équipe, j'ai enseigné le ski quelques années au carreau. Et j'ai eu l'opportunité de reprendre un fonds de restaurant. Et ça fait maintenant 30 ans que je suis toujours là. Mes années passées en équipe m'ont beaucoup apporté au niveau de la combativité. Et j'ai continué à me battre dans mon affaire. Et ça, c'est notre chalet, il y a peut-être 50, 60 ans en arrière, quand on a la ferme d'origine, qui était une ferme d'alpage, où l'été, les vaches venaient paître, et les gens venaient chercher le lait à la ferme. Au tout début, c'était juste un petit restaurant et un bar. On faisait de la brasserie. Maintenant, on a un peu évolué, parce que j'ai récupéré un chef, qui est un passionné de la cuisine et on a complètement changé le style de cuisine. Après avoir acheté le fonds de commerce, on a racheté la ferme juste en face. On a fait des chambres d'hôtes dans cette ferme. Ensuite, on a racheté les murs du restaurant où nous sommes actuellement. Et on est passé en hôtel et on a fait des chambres à l'étage. On a une dizaine de chambres et notre chalet, notre résidence principale qui on loue également. Ça nous occupe bien. On a fait en dernier cette suite Prestige où on a voulu mélanger un petit peu plus le contemporain avec le rustique, notamment tout le vieux bois que vous pouvez voir dans nos chambres. Ces suites sont surtout une très belle vue sur la chaîne des Aravis. C'est quand même important d'être là, d'accueillir les gens, d'être à leurs petits soins. Si j'y suis pas, ils disent tous c'est comme à la maison, ils me font tous la bise en arrivant. C'est un peu leur deuxième maison. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai toujours fait avec beaucoup de passion, avec mon mari. Et voilà, je suis attachée à mon affaire, à ma clientèle. Et c'est un peu toute ma vie, oui. Savoie Mont Blanc, tout un art de vivre.